Finalement, mon choix s'est arrêté sur deux types d'ampoules qui allaient être répétées à plusieurs fois à l'intérieur du LUS, qui sont des ampoules qui ne se font plus sur le marché. Ça, je l'ai découvert en faisant mon choix sur l'ampoule que je voulais. Elles ne se vendent plus. Elles existent en magasin, dans les quincailleries, mais il n'y en aura plus d'autres après ceux-là. Il y avait quelque chose d'unique dans ces lumières-là et c'est vraiment... ce que je recherchais est le contrat sur scène et frappant de ce LUS qui semble surgir d'ailleurs, que sa vie, sa couleur, sa lumière propre et tout l'appareillage scénique, lui, qui est très, très, très contemporain. Donc, c'est assez particulier comment dans ce même projet, on alterne entre un enrobage lumineux qui est excessivement à la fine pointe de la technologie et quelque chose qui est déjà, en fait, qui est déjà disparu d'une certaine manière, qu'on a la chance d'avoir... d'avoir trouvé en assez grande quantité, mais que ça se produira plus.